as long as we could remember. This is how it has always been. Devoid of morality. No sacrifice being too great to praise their God. Devotion is taught through suffering. Fearfulness and the obfuscation of knowledge are the foundations of our society. And those tempted to resist it will pay the heaviest price. Holding on to their hope and their faith. Drawn to the divine light like moths. Sinners will relentlessly advance. And all shall meet the same end. Salut tout le monde, vidéo découverte aujourd'hui sur le jeu Dark Devotion avec une cinématique d'intro, enfin une cinématique, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, avec apparemment d'animation à courant branlé, bah bref, avec une intro quand même très jolie, très sympathique, j'aime beaucoup le style graphique, le jeu d'ailleurs est très joli également. Alors, avant de démarrer quelconque partie, c'est un jeu qui est sur Kickstarter, donc je vous mets le lien dans la description vu que c'est une démo en fait qui est jouable, une pré-bêta pour vous dire. C'est prévu de sortir en avril 2018 prochain, donc c'est même pas dit que le jeu sorte s'il n'arrive pas, je dirais, à avoir le financement nécessaire. Voilà. J'ai pas retenu le studio de développement. De toute manière, là, je vous mets le lien dans la description. C'est un action RPG, voilà, avec un style graphique quand même très joli, des couleurs très belles. Et puis moi, voilà, tout ce qui est action RPG comme ça, indépendant, un peu dark 666, moi j'aime bien. Et donc on va découvrir ça ensemble. Je joue à la manette et ça c'est cool. Je mets en full screen et on va découvrir ça ensemble. Le jeu est en anglais, bien évidemment. Je n'ai même pas dit qu'un nom des gens. J'ai même pas dit que le jeu sorte un jour même, alors bon. Voilà. Ok. Donc, on contrôle ce personnage qui rentre dans le temple, voilà. Ok. Avec A, on peut changer d'arme, on a des flèches, on a 9 flèches apparemment. Je vais regarder un petit peu le HUD, en haut on a une sorte de barre de vie, je suppose, une barre de défense. Avec RT, on frappe, LT, on utilise le bouclier, donc la barre jaune, c'est la stamina, d'accord. Enfin, des roulades avant, ok. Avec B, Y, ça fait rien, X non plus, et je peux me baisser. Ok. Bah on va progresser, on va découvrir ça. Ok, bon, on va découvrir un petit tuto. Ok, c'est bon. Voilà, LTRT pour utiliser main gauche, main droite. Alors, il y a un système voilà, de temps. En haut, c'est le frame rate. En bas, là, voilà, il y a 3 minutes 16. Slash crit, piercing crit, miss. Des statistiques, bon. Pourquoi pas, c'est intéressant.
Je vais l'attaquer, allez-y. Ah ah, pas mal. Bon, il est un peu lent, hein. Putain, c'est stylé, j'aime bien. Move up and down to use later. Ladder. The ladder, c'est plutôt... C'est-à-dire plus tard. Kneel down before a chest to collect its content. Ok, piece of armor, this is a piece of... Ok, et après du coup... Use a sparing the item that you gather to survive. Ah, du coup... Oula, il y a une souris là. Intéressant. Après je sais qu'il y a des raccourcis... Ah mais moi si je joue avec la manette... C'est bizarre tiens d'ailleurs pour... Alors, use consume... Ouais, je sais pas. Alors quoi que si c'est un truc qui répare mon armure et que mon armure n'est pas à réparer... Pas étonnant que ça ne marche pas. C'est pas grave. Pas sauter par contre. Oula. Il faut rentrer. Ok. Sympa. Some weapons can help you to solve puzzles. Alors déjà, lui, j'ai pas confiance. Hein. Non, c'est bien. Ok, faut que j'utilise mon arc. La flèche qui va à 2 à l'heure. Peut-être que j'aurais pu bander mon arc un peu plus longtemps. Des pièges. Oula. Got whiff, LB or B, oh, tu vas pas. D'accord. J'ai bien le feedback quand on parle de bouclier, merde, par contre, j'ai fait un peu de dégâts là. Non, c'est bon. Ok. On progresse. Alors, au niveau histoire, je sais pas, apparemment, il y a un mode story qui sera prévu, mais. Là actuellement, faut pas trop s'y attendre. Bon, si après dans la trouille il disait un truc, les vieux machin, je vais pas trop studier à vrai dire. Ok, pour l'instant les ennemis ça va, sont pas trop dangereux. Après voilà, on fera passer lentement aussi, hein. faut prendre ça en compte. Ok. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Un piège! Ah, on peut faire des enchaînements. Merde, loupé. C'est un message, j'en ai pas le temps de lire là. Ok. Godless Idol. The ring contains the power that can wake easily both flesh and weaken stone walls. Ok. Through blood and pain, you can heal. Ok, un truc pour se guérir. L'autre, c'est un truc qui peut exploser. Oula, ah ok, d'accord, je viens de le poser. Ok, et en bas, armure. Ok, je sais juste un petit peu les différents items qu'on a récoltés. On pouvait aller aussi à gauche, de l'autre côté, mais là, je peux plus remonter. Donc bon, est-ce que c'est un peu en mode. Castlevania, Ken Slash, je sais pas, je sais jamais le terme, on va dire. Oh, ça pue ici. Je sais pas si je prends des dégâts, je sais pas où est ma barre de santé. Ça, c'est pas ça, de top, de disney, pas de top. Hein? Ah, oh, ok, d'accord. Ok, d'accord, et ça, c'est... D'accord. Et du coup ça part quand? Walking Hurts. Ah d'accord, j'ai genre plusieurs pas à faire avant que... Oh, je peux prier avec Y. Ok. Cure DG Statues. D'accord, j'ai pas trop compris ce qui se passait, mais ça m'a guéri ma maladie en priant. Bon, il y a une sorte de barre de foi. C'est ça. J'ai jamais vu ça dans un jeu, une barre de foi à laquelle on peut épuiser en priant. Prie à la porte, ça s'ouvrira.
Voilà, et du coup faut que j'ai suffisamment de foi pour que voilà, le petit or voilà, se remplisse. Et que la porte puisse s'ouvrir. Oh, dans la tête! Defeating foes, restore your faith. Ok. On restaure notre foi en. On progresse. Sympa, j'aime bien. Ah, il y a un bouclier qui est un peu brisé là, dans la barre en haut à gauche. Alors, Shield of the Templar. Bright Torch. On peut choisir. A Bright Torch is never useless in the corner. Bouclier, mais alors du coup, j'ai pas accès à mon inventaire en fait. Ok. Je vais pas prendre deux trucs. Non, c'est merveilleux. Oui, je vais où maintenant? Ah, c'est quand je vais prendre la torche en fait. Où est un plus costaud lui? Ah! Ok, il m'a tué. Oh la vache! Je m'attendais pas à ça. Hein. Your devotion has faded. Merde. Où est-ce que je vais respawn? Juste ici. Bon, on va prendre la torche du coup. Pour voir un peu près où l'on suit. Ok, déjà voilà. Ah, il est pas mort. Ah, du coup, j'ai fait le bouclier par contre. Ah. Fuck. Ah, je vais garder ma. Il est mort. Qu'est-ce qu'il a lâché? Une armure d'adepte. Ou Templar Armor. Ok. Putain, j'ai plus de bouclier par contre, c'est un peu chaud. Pour parler res attaque, ça pouvait être bien, bien utile. J'en trouverai peut-être un plus tard. En attendant. Death will take all your belongings. Good luck. Là, ça sent pas bon ça. Bonjour. C'est quoi ça? Kneel before the divine light. Genre là. Salut. Ah, mais il y a des gens en fait. Ok. Mais vous êtes qui? Qu'est-ce que je fais là? Bon, je sais pas ce que vous voulez, les gars. Moi, je bouge. Hein. Ah non, c'est les... Oula, c'est qu'il est gentil en fait. Salut! Hello there, new one. Welcome to the Filth Blood Shelter, the only warm place left in the temple. Mm-hmm. The Inquisition gets rid of anything they're afraid or do not understand, and the outside sometimes rejects someone like you in a temple. Your heart glows with pureness. Once in a while, a light comes out of the darkness. Do not forget to come meet me each time you come back to the Filth Blood Shelter. I will have an offering for you. Ok. Salut le chat. Ok, c'est une sorte d'endroit safe, on va dire, du temple. Et donc, je vais où ensuite? Le mec, j'allais déboucher une flèche dans la tête. Ah, on forge lol. Salut. A new reject from the outside. Welcome, young woman. Let me introduce myself. I'm Bones, the old smith of the temple.
I do not even remember for how long I've been here, to be honest. Sooner or later, you will forget as well. Indeed, Tom is not perceived the same way on the inside. You'll get used to it. Anyway, if you need anything, I'll try to be of some assistance. Mais donc du coup, tu peux m'aider? Non? Bon. Salut! So what do we have here? Another one has been sent to feed the temple. Am I right? I don't care why you are here, but welcome to your new life. Kill at least one of them before you die, woman. Woman? Genre eux? Oh non. Je peux aller par là. C'est la seule porte qui s'est ouverte pour l'instant. J'ai l'impression que les autres sont fermés, donc bon, on va faire ça. Hop! Ah! Ok! Bon, je vais m'arrêter dans pas longtemps, je vais avancer encore un petit peu. Mais j'ai plus d'armes en fait! Fuck! Oh, pas cool, man! Faut que j'aille voir qui là du coup? Ah, en dessous là! Yo! Ah ah! Ah, il m'a donné un bouclier en dessous! Par contre, j'avais une sorte de capuche. Ah non. Non, c'est bon. Ok, on peut passer par là. Bon, j'ai perdu un peu des trucs, mais j'ai récupéré l'essentiel. Donc là, on fait gaffe. Genre, hop là! Et là, pareil. Salut, toi. Oh non, me pousse pas. Ah merde, le con. Ah, il y a les griffes à la Wolverine. Ah, par contre, j'ai plus d'arc. Des flèches, hein. Non. Là où? Oh, je suis mort. Bon, allez, j'essaie encore une fois, voir si je peux avancer un peu plus loin. Et je vais m'arrêter là ensuite parce que bon, bah, c'est mauvais. Non, franchement, c'est sympa. Hein. Beaucoup le style et tout, c'est pas si fluide que ça, je pensais que ça le serait un peu plus, mais ça passe. C'est un coup à prendre, je dirais. Le deux items, c'est quoi? 4 eyes. Oh, pas mal. Ah putain, le con, mais quel mot. Non mais... Bon, écoutez, je suis pas très bon, donc moi ce que je vais vous recommander c'est de télécharger le jeu vous-même, comme ça vous pourrez vous-même faire du skill. Mais franchement, j'aime beaucoup l'ambiance, les couleurs, etc. Après voilà, niveau gameplay, c'est vrai que c'est un peu lourdeau, un peu lent, je sais pas. Peut-être que c'est une question de maîtrise. Mais j'aime bien. Donc je vous mets le lien Kickstarter dans la description. Et puis bah ça va être bon, voilà, on va retourner au menu principal. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Salut !